Salut les gens! Bon, avant que le court-métrage commence, j'aimerais vraiment que vous regardiez le court-métrage vraiment jusqu'à la fin, c'est super important. Et aussi de mettre votre petit like, voilà, ça fait toujours plaisir, et votre le petit abonnement aussi, pour ceux qui sont pas encore abonnés, parce que oui, il y en a encore plein qui sont pas abonnés. Ouais. Bon, ouais, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, sur ce, je te souhaite un excellent et bon film d'horreur. Allez, salut! Putain, n'empêche, c'est chaud, tu penses que. Ah non, mais c'est Il on est d'accord, c'est va. un petit peu, je sais pas, mais c'est pas. Après, c'est à admirer quand même, c'est une belle scène. Enfin, c'est, je sais que c'est pas forcément. Ah, là, on entend le. On entend la sirène. Je crois que c'est l'heure. Ok. Bah, du coup, ça. Monsieur Ronanus, vous êtes condamné à mort par décapitation pour avoir déserté le champ de bataille par lâcheté. Avant de mourir, avez-vous une dernière déclaration à faire? Je vous en supplie, faites pas ça! Bourreau, à votre hache! Non! Oh putain! Oh putain de merde! Ah, ça fait bizarre quand même, c'est. Ah, ça fait tellement. Oh, attends, je crois que c'est pas fini. Bravo! Viens là, tu as fait du bon travail! Qu'est-ce qu'il fait là? Mais non! Oh putain! Oh putain de merde, c'est quoi ce bordel? Hey, tu le vois? C'était normal ça? Oh. Oh putain, on voit sa couronne par Putain, il se terre là-bas! barre! Il se Oh barre! putain! C'est quoi ce bordel? Putain, il s'est passé. Tu penses pas qu'on devrait partir là? Putain, si. Oh merde! Allez, je sais pas, Putain, on se casse. C'est parti d'une bonne scène et tout, mais là. Putain, ok, on se casse, on se casse. Allez, dépêche-toi. Oh merde. Bon. Ah bon, bah voilà. Ah, Du coup, on a prévu quoi aujourd'hui? qu'est-ce que je sais pas du tout clairement. Je crois qu'il faudra qu'on pense aller voir. C'est Ouais, notre je... ami qui arrive Ouais, en bateau, je Bobo. crois. Okay, ouais, qui vient de l'Est. Ouais, je sais. Bah, je crois qu'il arrive d'ici 1 heure, je pense. Ouais, Ouais, je sais plus on qui ira vient. dans 5 minutes, on partira dans 5 minutes de la maison. Ok. Ouais, ça. Je sais plus vient de quel pays exactement, mais on remarque, je pense qu'il aura un accent, tout ça. Ah, non, mais Ouais. il vient de l'Est, je crois qu'il vient de la Germanie, je suis plus très sûr. Ou de, je sais plus, enfin, d'un de ces pays-là, je sais plus trop. Ouais, un peu, ouais, une petite Europe de l'Est, tout ça, ouais, je vois. Ouais, Bye. une des régions de la Germanie, d'ailleurs, qui est en guerre avec, avec l'armée de Rome, je crois, je suis plus trop sûr, enfin bref. Ok, Bon. bah là, du coup, d'ailleurs, la terrasse, si on l'avait terminée enfin. Du Ouais, coup, j'ai vu ça. tu sais, on pourra lui montrer si on pourra l'accueillir un petit peu, si t'es chaud ou quoi. Bah, moi, Ouais, de c'est toute cool. façon, on a pas mal de lits, tout ça. Je pense qu'on a tout bien préparé. Non, à la Ouais, on limite, a sinon un lit. Ouais, on pourra je pourrais rajouter mettre des un autre lits. matelas, oui, des matelas ou quoi, c'est pas, sinon, c'est pas le problème. En plus, c'est pas mal du tout, il y a eu un nouveau voisin. Non, franchement, en vrai, c'est en ce moment, tu vois, c'est pas mal. Ouais, c'est clairement pas mal. Attends 2 secondes, j'ai reçu un message, oh, c'est pas grand chose. Mais bah voilà, en tout cas, après, je sais pas si toi aussi t'as des sujets à me dire ou des trucs comme ça. J'ai un petit peu dit toute Bah, l'actualité. Hein. en soi, genre avant que Bobo il arrive, j'avais payé un. Je sais pas si t'as remarqué, mais j'avais payé un. Comment ça s'appelle ceux qui font les décorations intérieures? Un architecte, je sais pas. Non, c'était pas un architecte, enfin quelqu'un pour décorer la maison, et du coup, j'ai fait faire des tableaux. Et je trouvais Ouais. vraiment que ça rendait pas mal. Ça fait penser un peu à notre dieu, tout ça. Ouais, d'ailleurs, ouais, ça me fait penser à une certaine vieille légende d'un jeu bizarre qui a été oublié à force avec le temps. Je pourrais pas te la raconter, mais franchement, truc de ouf. Bref, bah voilà, je pense que en vrai, on peut déjà commencer à sortir un peu, si tu veux. Je pense qu'on a tout mis. D'ailleurs, si tu es au courant, ça c'est le nouveau symbole de la ville. Voilà, donc je t'envoie Ouais, partout, tout à fait non normal. mais je crois que j'étais au courant, genre c'est le depuis enfin tu vois le bourreau comme on avait vu, ils ont mis ce nouveau symbole là pour parce qu'ils ont dû changer de roi entre deux, hein, vu que le roi il a été assassiné. Et bien en fait, genre je t'explique un peu le symbole parce que si je sais pas si tu le connais, enfin je sais pas du tout. Bon, en Je vois en gros, fait, et en fait ça ouais. représente, tu vois, les plusieurs couleurs. Genre le bleu c'est la paix, je crois. Après je sais plus si Non. je connais les autres. Non. Je sais plus En exactement. fait Non, c'est le vert. Le vert, en fait, je t'explique. Là, ça représente un peu notre citadelle. Le rouge, c'est un peu notre citadelle. Ah Le oui. violet, c'est nos routes commerciales. C'est nos routes commerciales. Et le bleu, c'est les mers autour de chez nous. Et le vert, c'est nos terres.
Ah d'accord, je pensais en fait, je pensais que ça avait des significations avec des mots, parce que j'avais entendu Non. que ah, c'était, je crois que c'était notre ancien drapeau justement. Ça, Là ils en c'est ont notre fait un nouveau royaume, en pour. fait. C'est, ça signifie notre royaume. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas mal du tout, c'est vrai, t'as raison. C'est En même plutôt temps ça, bien, c'est plutôt bien pensé, moi, je trouve. ça crée une beauté. Faudra. Ouais, bah après je sais pas du tout si peut-être qu'ils vont faire des changements ou quoi, parce que bon là ça c'est peut-être Ouais. temporaire. Bon bref, Hop. voilà, si tu veux, on peut sortir. Ouais, t'as raison. On va sortir. Ouais, yes. Bon, là, il est quelle heure? Il est 9h du matin, non? Ouais, Je crois je qu'il prends est très un truc comme tôt. ça. Il devait arriver vers quelle heure? 11h, non? 11h, bon, on va l'attendre de toute façon. Bon, on est pas assez après, j'ai envie de te dire. Alors. Attends, Voici. deux petites secondes, hop. Ouais. Ok, bah c'est bon, j'ai pris les sacs, du coup j'ai pris un peu de nourriture pour la cuire, parce que je sais pas si Ouais. tu penses qu'il aime bien la nourriture de notre province ou pas? Bah, je sais pas, écoute, faudrait lui faire goûter. Mais sinon, t'as prévu quoi, toi, genre. Comme truc. Oh putain, j'ai ouvert la porte de quelqu'un. C'est pas grave, t'inquiète. Moi personnellement, tu vois, du coup, j'ai prévu que bah du coup avec le monsieur justement, on l'accueille, on lui montre un peu les Ouais. habitations parce qu'à mon avis il va rester un petit peu de temps. Ouais. Que ensuite on lui apprenne un peu aussi notre tu vois notre petite ah comment ça s'appelle notre petite langue de notre région, notre langue Ouais, régionale. nos petites expressions, nos expressions. Ok, bah du coup voilà, faudra voir. Et bah moi perso, Yes. après j'ai pu un peu l'aider, de lui apprendre la culture, de faire des visites, tout ça. Bah, après voilà, lui montrer un peu Ouais. également notre religion aussi intérieure. T'as Enfin raison, tout. t'as raison. Et voilà, bah d'ailleurs, bah, Oh, je crois. bah tiens, ouais, le bateau, il. Oh, bah je crois qu'il est là plutôt que prévu, hein. Polo, j'ai un truc et voilà. Attends, on va voir. Je crois qu'il est. Ouais, je sais pas. Ah, bah tiens. Bon, salut ouf. Salut! Ah, salut, mec! Oh, salut Ronan! Salut, Nathan! salut! Vous allez bien? Ah! Bah Ouais, ouais, toi! ça va et toi? Bon, ça va super, moi j'ai une petite alarme, je sais pas ce que c'est. Ça va ta route? Ah! Ah oui, sur la route, ouais. Et ouais, sinon, ça Oui, s'est bien bah passé. c'est l'alarme du port, c'est tout à fait normal. Ah, ok, d'accord. Eh bien, moi, plutôt ça va, j'ai rencontré une petite échalote avec une petite tempête, du coup, bah. Ah, c'était un peu la merde, quoi, mais bon, ça va, ça va. Ah, Ah, ouais, très ok. bien. Bah Bah, du c'est coup cool, tu hein? vois pour t'héberger et tout, bah tu peux te laisser les expliquer si tu veux expliquer. On a prévu un peu de. Ouais, bah, on a une petite maison et tout, on te fera, si tu veux, visiter ce qu'on a fait. Putain, n'empêche, ça fait un bail qu'on t'a pas vu. Bah ouais, hein. Ça se passe bien dans J'avoue ta là ville? de. Ça fait longtemps. Hein. Comme on dit, Kentra le paillasson. Hein. Ah bah c'est Ah vrai que ouais. ça fait assez longtemps. Hein. Ouais, Bon effectivement. après, c'est vrai que j'ai pas mal exploré les mers hein, de ce moment, parce que voilà, j'ai essayé de trouver un peu fortune, mais bon, hein, c'est pas été très difficile. Enfin, ça a pas été très facile, quoi, parce que y a plein d'autres pirates, on va dire ça comme ça. Ah Bah oui, c'est toute la merde. ouais, je vois ça. Bref, Ouais. du coup, on s'est D'ailleurs, fait ça tri des spécialement mers, sur un le truc de bateau. ouf n'empêche. Ouais, ta tunique, quand j'y pense, il n'y a pas ça par chez nous. Il va faire froid chez toi, Ah bah n'empêche. ouais. Ah bah c'est vrai qu'elle c'est pas ce qu'il y a de plus beau, je vous préviens. Hein. J'ai acheté ça. Je suppose j'ai acheté ça dans une friperie dans le coin. C'était pas très cher quoi. J'ai dû échanger quoi? Quelques morceaux de viande contre. Mais bon, ça va, j'ai eu quelques morceaux de viande. De toute façon, j'ai plein de viande. Hein. Avec tout ce que j'ai récolté sur les îles, toute la chasse que j'ai faite. Ouais, puis ouais, tu m'avais dit, tu pratiquais un peu la chasse, tout ça. Ah bah ouais, mais le truc c'est que vous savez, j'ai un moment j'ai trouvé un coffre parce que j'ai cherché une carte et tout. Et devinez quoi, j'ai trouvé un coffre rempli d'argent, sauf qu'au dernier moment, il y a d'autres pirates qui ont essayé de nous le dérober, du coup, ils ont détruit mon ancien bateau, du coup, bah, avec l'argent que j'ai Ah dû m'acheter un nouveau ouais. bateau. Après, il est plus gros, plus joli, mais bon, hein, c'est. Oh, ça Après, va, hein. ouais, T'as pu t'acheter un bateau non, quand non. même. C'est pas non plus. Ça va. Tu te mets Non, mais bien, après, ouais. quoi. Ouais, non, mais ça va. Franchement, tu es appris avec ça, je pense que t'as eu un petit peu de reste aussi, histoire, bah sinon, tu serais pas venu ici, je pense, si t'aurais pas pu vivre bah, un petit peu de temps ici. Enfin, Mais bref, bah, juste, du j'aurais coup. tourné, hein. Sans l'argent, je serais resté sur une île toute ma vie, mon gars. Ah oui, mais du coup, Attends. sinon, tu viens en Germanie, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Bah là, je suis en train de faire un peu le tour. Je visite un peu tout. Voilà, je passe par là, mais peut-être que voilà, je vais loger ici, quoi. Ça te fait mal, là. C'est pour moi. Oh, mais y a pas de problème, hein. Eh ben, Genre que t'apprennes bien à ce que vois, parce qu'avec ton accent, c'est vrai que les étrangers sont. Bah, ils sont bienvenus ici, mais. y a une petite Et bah, expression vous chez habitez nous à mon d'ailleurs. accent, t'es. Il y a une petite Ah, ça expression chez tombe. nous d'ailleurs pour dire un peu les étrangers, c'est. Je sais pas si t'arriveras à le redire, c'est Guilera SMT. Ah, bah oui, ah oui, la guerre SMT50, là, ouais, bah oui. 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 Ah, bah oui, bah Et oui, voilà. Ça veut bah oui. dire Ah, bah, étranger chez nous. bah oui. Voilà. Oh, bah, très bien, alors bah, SMT50. tant mieux si tu. Faire attention aussi parce qu'en fait, toutes les portes sont. Enfin, beaucoup de Oui. portes, genre les personnes ne ferment pas forcément, tu vois, à clé ou quoi. Du coup, bah, Exact. faut pas trop ouvrir parce que Ah, sinon. c'est des abris chez vous, quoi, hein. Ah, bah voilà notre Je ne maison. pas la porte. Juste ici. Oh, Voilà. ah, vous avez une belle baraque, hein. Une Ah belle ouais. baraque. Hein.
Ah, écoute, on a travaillé un petit peu pour avoir tout ça. Tu peux rentrer. Ryo, je peux entrer, hein. Tu peux entrer, vas-y. Ah bah super. Je t'en prie. Ah bah voilà, oh là là, avec les tableaux et tout, hein. Ah oui, on a pas mal aménagé tout ça. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus grand, mais franchement, c'est grave. Ah oui, faut que je te dise une technique que j'ai développée avec mes amis. Malheureusement, c'était pas terrible, voilà, parce que voilà, pour faire nos besoins, pour déféquer, c'est un peu la galère. Du coup, est-ce que je peux chier dans ta cheminée? Je vais te montrer, il y a des toilettes, tu verras. Il y a des toilettes. Tu sais ce que c'est, des toilettes ou pas? C'est quoi, des toilettes? Regarde, viens voir, juste ici, il y a des toilettes, ça te permet de défecter à l'intérieur, et puis voilà, au moins... Ah bah oui. Ah bah attendez, hop là, parce que vous savez ce qu'on fait, c'est qu'on m'avait dit, j'ai rencontré une femme au bord du Nil, et on m'avait dit que ce qui était pas mal pour pas trop gaspiller, c'est que, tu vois, on défèque et après on se lave avec nos... Voilà. Mais votre fille, il est un petit peu... Ok, il est pas... Allez. Attendez, vous permettez... Ça fait une semaine que j'attendais celui-là. T'as oublié de mettre une porte ici pour dégager l'odeur entre le en bas et l'en haut. C'est vrai que ça va puer la merde du coup. Ah oui aussi. Bon, alors du coup ici ça va être là où on va tous dormir, ok? D'accord. Bon, il y a qu'un matelas, mais on rajoutera des matelas. Faut pas s'en faire. Ah oui, ouais, compris, donc tu peux en avoir facilement. C'est ça le lit en fait, c'est ça le lit. Alors on peut aussi dormir ici, mais faut faire gaffe de pas tomber dans les escaliers. Ah oui. On a mis un petit, on a mis des petits. Et d'ailleurs, quoi, ici, il y a une sorte de petit peignoir. À la limite, tu peux dormir dans le coffre si tu veux. Bon, oh non, mais non, mais comme tu le souhaites, hein. Non, mais le coffre en fait c'est sacré, c'est là où on garde toutes nos. D'accord. Ok. Donc on va peut-être éviter de. Tu n'es pas forcément sacré par rapport à des objets, tu vois. Comment ça, je suis pas sacré moi. Attention, hein. Attends, tu es moins sacré que cette tulipe. Ah mais moi j'ai gagné. Comment ça, je suis pas sacré? Moi j'ai gagné la finale, moi. Attends, j'ai gagné la finale de 2019, moi. Sans pour qui Tu sais quoi? Tu sais quoi? On va peut-être te laisser un petit peu visiter les lieux. On va peut-être parler ensemble. D'accord. Ouais. Ça coûte de choses bonnes, ça coûte de choses nobles. Ouais. Tu trouves pas un petit peu? Parce que oui, je sais que c'est un ami à toi, mais pas un petit peu bizarre. C'est chose noble. C'est vrai que bon. Yes. Faudra pas qu'il reste trop longtemps chez nous, je t'avoue, parce que, enfin, genre là déjà, il veut se mettre à côté des choses sacrées. Mais limite, bon, après, notre symbole. Dans le coffre, bon. Ça passe encore, hein. Dormir dans le coffre, c'est pas comme si qu'il dormait sur le tapis, mais... quoi. Je te rappelle qu'il y a la fleur sacrée à l'intérieur, mais après, c'est quand même meilleur que le tapis. Parce que ouais, le... c'est un paillasson, quoi. C'est ça, c'est. Lui, il va dormir sous le paillasson, hein. Bon, bah. Non, faudra qu'on lui trouve un truc pour. Ouais. Ça va, tu t'en es sorti? Ah bah tiens, bah. Oh, putain, mais qu'est-ce qu'il fout dehors? Oh, attendez les gars, vous avez entendu cette alarme? Ah putain, ça fait mal aux oreilles. Ne me dis pas que c'est ça. Oh putain, non. Non. Ok, rendez-vous au château, les gars. Mais il se passe quoi là? C'est quoi le château, hein? Attends. Mais t'es pas courant? On lui dit ou pas? Ouais, venez, faut rendez-vous au château. Si vous préférez, c'est le corps de rassemblement, on peut pas vous en dire plus pour le moment, mais. Mais d'accord, on peut pas m'en dire plus, attends. Moi je retourne sur mon bateau, hein, si c'est ça, hein. Non, mais c'est compliqué. On t'explique cette alarme, c'est. Ça signifie beaucoup de choses et tu verras quand on y sera arrivé. Ok, mais ça va parce que vous savez que j'ai horreur des pays où les gens sont décapités, c'est pas du tout un pays où les gens sont décapités, on est d'accord. Non, mais c'est des rumeurs ça, toi, qu'est-ce que t'as inquiété? Ça c'est des rumeurs ça, c'est des rumeurs, hein. Ah, ça c'est bien les bails de ch'ti ça, allez. Oula. Ronan, tu sais où est le château déjà? Attends, d'après, mais on n'y a pas été beaucoup, mais il me semble que. C'est bon, il est là, viens. Il est bailé là où il est au nord justement. Ah bah le nord. Ah moi j'aime pas les nordistes, moi je vous le dis. Mais les nordistes c'est pas par chez nous, hein. Nous on est encore dans une époque. Enfin on est dans une bonne époque, mais ce que je veux dire c'est que. Ah mais non mais vous êtes pas nordistes, vous êtes des. Faut aller où? Venez, suivez-moi, ouais. Suivez-moi, ouais. On va passer. Parce que je ne comprends pas, le nord de la France, je ne sais pas trop ce que c'est, moi. Je vous avoue. Mais oui, c'est la France ici, vous n'êtes pas nordiste, vous n'êtes pas français. Mais nous, on est français. Nous, on est en. Oui. Ouais, vous n'êtes pas nordiste, vous êtes français, les gars. C'est pas différent. Pardon. Pardon de t'avoir offensé, hein, si tu viens de. Puis tu viens même pas de France, toi. Ah bah, non, voilà. Points,
je défends une région pas ouf quoi, enfin un petit peu. Pareil, moi. Attends, oh, il y a un gros rassemblement les gars. Oh. Oh ouais, il y a du monde déjà, ça vient à peine de. Regardez. Oyez, oyez. Oh, attendez, chut. Je vous prie de vous taire pour un petit moment. J'ai quelque chose à vous dire de très important. Ah mais le roi, il a la voix de mon petit frère. Oh. Oh attendez, chut, faut pas le vexer. J'ai des choses à vous dire. Hier, quand le bourreau s'est échappé, il a fait plus de 50 morts en un jour. Avec le royaume et les gardes, nous avons fait un dispositif pour vous protéger. Putain. Attention, si vous entendez une alarme, c'est qu'il n'est pas très loin. Monsieur, je peux poser une question? Oui, monsieur. Vous parlez de qui exactement? Le bourreau. Putain. Il est de retour. Ça fait pas penser à un truc qu'on avait vu. Mais attends, il est de retour. Dans l'arène. Il est de retour quoi? Attention, si vous entendez une alarme, c'est qu'il est près de vous. Sur ce, j'ai des choses à faire pour vous protéger. On dirait que le roi est un peu stressé, non? Oui, c'est nouveau. Tu m'avais dit, toi. Tu m'avais dit qu'il y avait pas de bourreau ici. Hein. C'était il y a longtemps. C'était. Et on pensait qu'il était mort, nous. Oui, c'est la dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans l'arène et de ce qu'on avait entendu, c'était bon, capturé, non? Bon, attends, en fait, on va t'expliquer. Nous, en fait, on est. Il y a pas très longtemps, c'était il y a quoi, 3 ans. Il y a un bourreau qui a tué le roi. Et depuis, il tue plein de monde ici. Mais de base, il était mort. Il était censé être mort. Et là, il est de retour et le nouveau roi depuis, là, il comprend pas, enfin. Parce qu'en fait, c'est trop dangereux pour moi, je vais retourner dans le sud, les gars. À mon avis, c'est parce que. On devrait retourner chez nous. Ouais, parce que l'ancien roi, il s'était fait décapiter pendant l'arène. Dans l'arène. Il peut voir truc, je vais dormir dans mon bateau, ça vous dérange pas. Ah, mais t'inquiète pas, il va rien se passer, t'en fais pas. Ah oui, c'est mieux pour toi de venir avec nous, parce que. Bon, d'accord, ok. Ouais, c'est plus sûr pour toi de venir avec nous. Vous avez des fusils, trucs comme ça ou pas? Nous, on n'a pas ça ici. Nous, c'est des arcs, des. Oh, des mousquets! Nous, on est sains, je te rappelle que. On est bio, on est sains. Okyo, t'as pas ta carte sur toi? Alors, pour retrouver. Là, on était passé par là. On devrait aller, du coup, partir vers le sud, justement. Il faudra. Un vrai labyrinthe ici. Sinon, si vous voulez, je peux peut-être aller voir. Attendez. J'avance. Vous me suivez? Ah bah je te suis. Hey. Attendez, j'arrive. Je ne perds pas la cadence. Ah, je ne perds pas la cadence. Il faut vraiment faire attention les gars, au bourreau, on sait jamais. J'ai pas trop compris ce qu'il voulait dire par là. Si on entend une alarme, c'est qu'il est près de nous. J'ai pas trop bien compris. Ah bah oui. Putain. En plus il commence à faire nuit. Ça ne pas bon. C'est dépêché. Oui, attends. Bon, est-ce que. Je n'ai pas encore trouvé le chemin, mais il faut se diriger vers le sud, attendez. Je crois parce que, vu qu'en fait, on a perdu le sens de l'orientation, c'est vers là-bas. Il faut continuer à avancer et on trouvera la. Oui. Justement, notre habitation. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. On descend par là. Venez, suivez-moi. Vous me suivez? Ouais, je vous suis. À un moment, on a une assez grande cheminée. On devrait reconnaître assez facilement de loin. Je suis vraiment désolé beau pour cet accueil, mais je savais pas que. Qu'il allait se passer un truc comme ça. Ouais, écoute, je pense que moi je vais. Attends. Faut que j'aille me renseigner, écoute. Je me suis déjà renseigné, je connais un peu cette région. Il paraît qu'il y a des arcs, etc. Moi je vais prendre des trocs. Hein. Ok, tu nous rejoins chez nous? Je vous rejoindrai. Ouais, vous inquiétez pas. Oh la vache. Attends, avant courant, faut qu'on examine un peu aussi ces gens. Non, t'inquiète pas, je pense qu'on devrait mieux rentrer et. Puis rien. T'es sûr? Je suis certain. Bon. C'est par là, viens. Ah là, ouais. Sinon, putain. Pire. Tu penses que rentrer chez nous, c'est une bonne idée? Parce qu'en soi, là, c'est peut-être qu'on s'est. On s'est pas forcément retrouvé, mais moi, je me suis. En y réfléchissant, je me demande. C'est bon. Ouais, c'est bon, celui-ci. Mais je me demande si rentrer chez nous, c'était vraiment une bonne idée. J'ai peur, je sais pas, c'est... Il va rien se passer, faut pas s'en faire et... De toute façon, il peut nous arriver quoi. Je suis plus le même qu'il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'étais différent. J'adorais tout ce qui était combat, tout ça. Maintenant, j'ai changé, je t'avoue, je suis un petit peu... Bon, tu sais quoi, on devrait se reposer. T'ouvriras la porte à Bobo quand il reviendra, ok? Ok, bah vas-y, à tout hein. Vas-y, bonne nuit, surtout. Ouais. Ah.
C'est quoi cette alarme? Qu'est-ce que... Putain. Oh non. Non. Ok, non. Les gars. Les gars, réveillez-vous. Putain. Réveille-toi. Oh, c'est quoi? Oh non. Oh, réveille-toi. Oh. Putain, heureusement qu'il est revenu ici, lui, putain. Putain, vous avez entendu le corps? Ah, ça fait mal. Ah, putain, ça fait mal aux oreilles. Ouais. Vous avez entendu? Ouais, je sais. Je crois que c'est le bourreau, les gars. Oh, putain. Bobo. Les gars, on devrait partir, non? Bobo. Quoi, je pense, est-ce que ton bateau, il marche encore? Est-ce qu'il y a encore... il marche encore, Ok, on devrait se barrer, on prend ton bateau, on se casse. Devriez me suivre. Oh putain! Oh putain! Courez, vite! Qu'est-ce que vous faites, les gars? Putain, vite! J'ai pas envie de mourir, allez, s'il te plaît! Non! Vite! Merde! Oh putain, y'a des squelettes partout! Oh merde, vite, il est derrière nous! Allez, suis-moi! Il est derrière, vite! Allez! Démarre le bateau, putain, il est là, vite. Mais démarre, putain, démarre, vite.